Il y a une création au théâtre, Les Parents Terribles, et c'est Gabrielle Dorzia qui jouait le rôle de ta mère. Non, qui jouait ma tante. Ah, qui jouait... ma mère, c'était Yvonne Debray. Ah, bon, je ne savais pas. Ça fait partie de mes gaffes et de mes étourderies. Non, c'est pas une gaffe. On peut... Elle était dans à ton âge, tu ne peux pas savoir. Ouais. T'étais pas né quand j'ai fait ça. En tout cas, écoute, puisque je viens encore d'en faire une, j'en ai mis une en plein dans le filet, je vous propose justement une série d'étourderies de gaffes qui ont fait rire certains et grincer des dents aussi d'autres, des gens un petit peu jaloux, tout ça. Bon, c'est pas grave. Et alors, bon, comme on n'est jamais mieux servi que par soi, même avant que ça tombe dans le domaine public, eh ben je vous les offre, ces images, mes plus belles gaffes. Les voici. Sur mes galères, petit à petit, nous saillons barrières. C'est vrai que c'est une émission différente, avec des coups de cœur, avec aussi mes défauts, les défauts d'un artiste. Vous savez, je bafouille, mon prochain invité ce soir, qui a été le créateur, en tout cas, qui a fait partie d'un groupe illustre qui s'appelait Téléphone. Et depuis, le groupe s'est complètement interrompu. Et nous allons maintenant parler de Michel Thor. Mademoiselle, madame, Tina Turner, qui chante, hey, qui chante quoi? Qui chante quoi? Vous allez l'entendre tout de suite. C'est Claude François qui l'a découvert. Ah bon? Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Il chante une chanson de Barry White qui s'appelle Déchaîne-moi. Ah, bah, qui est? Et qui est? Mais annonce-le, tu tiens à l'annoncer toi-même. C'est... Alors, mais ce n'est pas lui, justement. Ah, bah, c'est pas lui. C'est quelqu'un d'autre. C'est Patricia qui? Mais non. Non, même pas. C'est la classe. Ah, c'est la classe. C'est la non, classe. La casse. Oui. La casse. C'est la casse. Patricia Casse. Débarquez-moi. Et alors, moi, ce que je trouve tout à fait touchant, David, tu veux que je te dise? C'est que tu transpires aussi vite autant que ton papa. Je suis toujours avec mon chien. D'ailleurs, tu me dis toujours ton chien blanc. Je dis non, il est pas blanc, il est noir. C'est vrai, parce que moi, je fais une inversion sur les... C'est vrai, il est noir, ton chien. Hein? Il est noir. J'adore le blanc. Écoutez, moi, j'ai l'impression... Votre famille, votre frère écrit, votre grand-père écrivait des poèmes. Vraiment, quel héritage. Ce livre, aux éditions Grasset, Les Femmes de ma vie, en vente dans toutes les bonnes boucheries. Sur un commentaire, des images, un commentaire de Nicolas, comment s'appelle-t-il? Nicolas, comment? Oui. Lui-même, hein, personne. Non, je sais pas, moi non plus d'ailleurs. Bah, si Nicolas, comment s'appelle-t-il? Je n'ai plus son nom. Enfin, c'est le père Nicolas. Et en tout cas, les images sont de Bernard de Hamorin. Voilà, ça va me revenir. Il s'appelle comment, Nicolas? Attends, Nicolas Angèle. Angèle. Monsieur Tazieff. J'entrevois à travers le col de votre chemise entrouverte un tatouage. C'est vraiment un tatouage? Non, c'est pas un tatouage, c'est... Je ne sais pas comment on appelle ça, c'est une tache Litvin, c'est comme Gorbatchev. Ah, pardon, non, mais... Vous voyez, je continue à faire des gammes, c'est formidable. Mais je pensais que vous étiez tatoué, vous n'avez pas de tatouage? Non, non, mais je suis né dans le même pays que Mikhail Gorbatchev, et donc il est normal, lui il l'a ici, moi je l'ai. Merci. Oh la vache, qu'est-ce que c'est dur. Oh, c'est dur. Ah, puis j'en ai fait d'autres, hein, en tête, alors je suis le spécialiste, hein, là je vous le dis.